Je sais que vous êtes nombreux à vous intéresser à la soudure à l'arc. Alors, je vous comprends, parce que dans une maison, c'est vrai qu'on en a souvent besoin, et en particulier dès qu'on touche un peu au travail du métal, du fer, de l'acier, et dans les travaux de ferronnerie. Alors, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous présenter un poste bien particulier. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi ce poste est particulier? Parce qu'en réalité, c'est un multiposte. Il est utilisable ce qu'on appelle MMA, c'est-à-dire avec des électrodes. On va souder avec une électrode. Il est aussi utilisable en MIG. MIG, ça veut dire qu'on va utiliser non pas une électrode, mais du fil en continu. Ce qui est utilisé d'ailleurs par les professionnels et dans l'industrie. Et on peut être MIG avec gaz, une bouteille de gaz, ou sans gaz. Et par-dessus le marché, ce poste peut aussi être utilisé en TIG, qui est encore un autre mode très professionnel de soudage. Alors, on va déjà parler de la fonction MMA, donc poste à soudure tout à fait classique, avec deux choses. Une pince de masse qu'on va accrocher à la pièce à souder, et une pince porte-électrode, et c'est quand on va rapprocher l'électrode de la pièce à souder que va se créer l'arc électrique. Alors, sachant que ce poste fait 160 ampères, c'est-à-dire qu'il va avoir une capacité de soudage avec des électrodes de 1,5 à 4 mm, ce qui veut dire qu'on peut souder des pièces fines ou épaisses. Pour le poste, je choisis la fonction MMA ici, voilà. La petite LED rouge est allumée. Et ce poste est inverter, ce qui lui permet d'être déjà beaucoup plus léger qu'un poste traditionnel et aussi d'être plus pratique à utiliser, c'est-à-dire que les électrodes collent beaucoup moins. Alors, les électrodes se distinguent par leur diamètre, de 1,5 jusqu'à 4 mm, qui correspond à peu près à l'épaisseur qu'on a à souder, mais aussi par la matière. Il y a des électrodes pour l'acier, tout simplement, pour la fonte, ou aussi pour l'inox. C'est le cas de celle-ci. Et je vais maintenant vous parler de la soudure MIG, et plus précisément de la soudure MIG sans gaz. Ici, je fais ce raccordement parce que j'ai toujours la pince de masse, certes, qui est ici, mais j'ai maintenant une torche. Et la torche, c'est elle qui va faire avancer le fil de soudure. En soudure à l'arc traditionnel MMA, c'est l'électrode qui sert d'apport, de métal d'apport. En soudure MIG, c'est ce fil qui va servir de métal d'apport. Donc le système MIG, c'est un système de soudage en continu parce qu'on utilise un fil en bobine. Ce fil, il est installé dans l'appareil pour pouvoir se dérouler et aller au bout de la torche. Le poste est donc conçu pour recevoir la bobine de fil. On verra d'ailleurs qu'il y a plusieurs diamètres de bobine. Et ensuite, ce fil va être enfilé pour passer dans la torche. Voilà, le fil passe dans tout un système qui va lui permettre d'aller au bout de la torche et de procéder à la soudure. Le poste étant allumé, je bouge le bouton pour aller sur la position MIG et ensuite je fais avancer le fil dans la torche. Voilà, le fil est là, on va pouvoir souder. En soudure à fil continu, on utilise différents diamètres de fil. Ça va de 0,6 mm à 1 mm de diamètre. Alors bien évidemment, plus le fil est gros, plus on va pouvoir souder des pièces importantes. Alors l'appareil utilise aussi deux formats de bobines, la bobine d'un kilo ou la bobine de 5 kg. Bien évidemment, la bobine de 5 kg, elle est plutôt utilisée quand on a beaucoup de travaux à faire en continu. Pour la soudure MIG sans gaz, on utilise un fil particulier qui s'appelle un fil fourré, qui sera un peu comme une électrode avec un additif qui va permettre de souder. Pour la soudure MIG avec gaz, on va utiliser un fil métallique qui est un fil non fourré, mais qui existe en différentes qualités. Ça, c'est un fil pour l'acier, pour souder l'acier. Ça, par exemple, c'est un fil pour souder l'acier inox. Là, j'ai installé une bobine de fil de 5 kg, donc on va pouvoir faire du travail en continu. En utilisation MIG avec gaz, on va bien évidemment, comme son nom l'indique, utiliser du gaz. Donc le gaz existe en petites bonbonnes comme ça, non consignées, ou en grosses bonbonnes. On va donc raccorder à chaque fois la bouteille de gaz avec un détendeur sur l'appareil. Alors un tuyau amène simplement le gaz du détendeur à l'appareil, au poste à souder, et ce gaz va ensuite aller dans la torche et c'est lui qui va protéger la soudure au moment où on travaille. Dans la soudure MIG avec gaz, le gaz sert à protéger la soudure de l'atmosphère, c'est-à-dire de l'air et de l'humidité, en gros de l'oxydation. Alors on va utiliser différents types de gaz. Pour les professionnels, c'est très précis, puisqu'il y a des gaz actifs et des gaz inactifs. Nous, on va en général utiliser principalement l'argon, mais on va quand même utiliser soit l'argon, soit de l'argon mélangé avec du gaz carbonique, soit de l'anhydride carbonique.
Puis tout à l'heure, je vous parle de la soudure MIG. En réalité, il faut faire la différence entre la soudure MIG et la soudure MAG. MIG, ça veut dire métal inerte gaz, et on va utiliser l'argon. MAG, ça veut dire métal actif gaz, et on va utiliser en particulier le mélange argon-CO2. Vous l'avez compris, ce poste est réellement polyvalent et universel, puisqu'il est à la fois MMA, MIG et MAG. Ça veut dire qu'on va pouvoir souder à l'arc avec électrode, avec fil continu, avec gaz ou sans gaz. Bon, là, on a simplement découvert ensemble ce nouveau type de poste à souder. Et d'ici quelques jours, on va apprendre ensemble à faire de la soudure MIG et de la soudure MAG.